monde venu ici dit, hé hey, Josie, tu es encore avec les fake news. Hé hey, Josie, pardon, courez seulement, vous partez regarder si vous allez voir la chaîne de Regina Daniel. Oui, je sais que vous tous là, vous connaissez que Regina Daniel a une chaîne YouTube. Courez maintenant avant de venir commenter, pardon, s'il vous plaît. Allez regarder si vous allez trouver la chaîne de Regina Daniel. Allô la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jeune TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, oui, Jeune est de retour, a.k.a. Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue de la famille Jeune TV, a.k.a. famille du Congo, ça. Déposez vos valises, vos bagages, vos grands must go et vous êtes la bienvenue de la famille. Oui, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi le nom de sa fiche de camp. Nous allons commencer avec notre petit Congo. Oui, s'il vous plaît, pour ceux qui n'aiment pas trop écouter les choses concernant Regina, cette vidéo, c'est pas pour vous, parce que nous sommes ici pour faire notre travail. Nous sommes les Miss Congo. Oui, oui, quand on voit, on parle. Et si on ne nous dit pas, on ne peut pas parler. Si on ne voit pas sur les réseaux sociaux, on ne peut pas parler, ok? Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement concernant Julia et sa belle-mère qui est Regina Daniel. A fait anniversaire, quoi, est monté, quoi n'est pas descendu. Certaines de vous sont venues dire, ah, Josie, elle a souhaité joyeux anniversaire à Julia sur Snapchat. Ça lui coûtait quoi de mettre la photo de Julia, comme Julia fait souvent pour elle, de mettre sa photo sur Instagram, que voilà, voilà, joyeux anniversaire à Julia. Ça lui coûtait alors quoi? Quelqu'un des réseaux sociaux comme Regina Daniel. Et vous me dites qu'elle a souhaité joyeux anniversaire à Julia sur Snapchat. Et mine de rien, même, ce n'est même pas obligé, comme certaines de vous a dit. Bon, ça, l'affaire continue toujours. Quelqu'un qui est dans la maison alors est amené sur Twitter pour dire voilà, voilà ce qui se passe. Et je suis alors vérifié, je suis allé vérifier, pardon, pour voir si vraiment Monsieur Network a demandé à Regina Daniel de descendre sa chaîne YouTube. Parce que moi, je réfléchissais d'abord que, ah, ça peut être YouTube qui a descendu la chaîne de Regina Daniel. Après, j'ai dit non, YouTube ne peut pas descendre la chaîne de quelqu'un comme ça là, facilement comme ça là. Qu'est-ce que c'est donc passé? Parce que Regina Daniel, elle parle d'elle et sa famille. Et vous connaissez, elle dit, c'est quoi le titre? Our Cycles. Oui, donc ils mettent les photos, les vidéos, accouchement et tout. Donc Regina Daniel ne parle pas des gens qu'on va devenir dire, ah, YouTube a descendu sa vidéo. Bon, qu'est-ce qu'elle a alors fait à ce que YouTube descende la vidéo de Regina Daniel? Je suis allée dire merde, je ne voulais pas parler de ça depuis hier. J'ai dit merde, qu'est-ce qui s'est vraiment passé donc? Et voilà alors ce qui s'est passé. Daniel et sa coépouse, la femme marocaine, ils ne s'entendent pas tellement bien. Bon, ils ont commencé à voir les petits clashs dans la maison et aussi avec Julia. Vous connaissez que Julia aussi, dans les vidéos de Regina Daniel sur YouTube et la marocaine aussi avec ses enfants, la majorité des vidéos de Regina Daniel de YouTube, il y a aussi la marocaine dedans. Quand ils ont commencé à voir les clashs entre eux dans la maison, mais le mari de Regina Daniel, ça veut même dire quoi ça? Ça veut vraiment dire quoi, ça? Est-ce que c'est vraiment cette chaîne qui va venir mettre les PB chez moi? Et il a dit, bon, que ça s'arrête. Regina Daniel n'a pas pu arrêter. Et Léa aussi, qui est la femme marocaine, elle n'a pas pu arrêter. Et aussi, Julia aussi, avec les clashs de tout et consorts. Regina Daniel n'a pas souhaité joyeux anniversaire à sa maman. Et ça veut dire qu'elle n'aime pas sa maman. Et elle ne peut pas être avec Regina Daniel, parce que Regina Daniel... Et Regina Daniel aussi sortie sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo concernant ça, aller jusqu'en bas, pour dire qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Et tout est conçu. Allez juste en bas, vous allez voir cette vidéo. C'est ce que Regina Daniel a écrit. Et quand elle dit qu'elle n'a personne, elle n'a pas de copine et tout. Et vous voyez même que dernièrement, elle est que seule. Je ne la vois plus avec ses copines et tout. Donc, c'est alors ça qui a alors touché Julia. Julia a aussi répondu à Regina Daniel. Et depuis les semaines, ils ont les PB ensemble. Donc, le mari de Regina Daniel a vu que pour résoudre ce problème, il a demandé à Regina Daniel de descendre sa chaîne YouTube. Bon, ce que je ne parviens pas à entendre sur cette histoire, vraiment, Regina Daniel, avant de connaître ce monsieur, avait déjà une chaîne YouTube. La famille Jésus, vous pouvez aller regarder, hein? Elle avait déjà une chaîne YouTube. En tout cas, je ne dois pas trop blâmer le monsieur parce que c'est son agent qui parle. Regina Daniel savait où elle allait. Oui, oui. Et c'est aussi une leçon pour nos jeunes filles, là, oui. En allant quelque part, quand vous partez dans un mariage, là, vous connaissez que voilà, c'est là-bas que vous partez. Vous allez trouver les autres, oui.
Regina Nana a trouvé les autres. Et elle arrive, PB ici, PB là-bas, PB ici, PB là-bas. Après, on sort avec des photos, vous, sur Instagram. On vous lave les yeux, après, vous retombez après. Mais ce qui se passe au fin fond là, c'est ce qu'on vient nous dire, alors, nous, les blogueuses. Bon, voilà alors ce qui se passait. Et monsieur Net, il y a ces. Une fille dit que non, il a seulement dit de mettre tous les vidéos en privé. Si on met tous les vidéos en privé, tu dois quand même chercher la chaîne sur YouTube, tu dois voir le nom de la chaîne. Voilà la photo de profil de cette chaîne de Regina Daniel. Regardez juste là. Allez alors chercher, vous tous là, vous la suivez souvent sur YouTube. Allez chercher, tapez même, vous n'allez pas voir la chaîne de Regina Daniel. Bon, j'ai dit que bon, si ce monsieur disait à Regina Daniel de mettre tous les vidéos en privé, au moins s'il devait avoir sa chaîne, ça, on devait taper sur recherche. Maintenant, il a demandé à Regina Daniel de descendre sa chaîne. Par rapport à qui? Julia et sa femme marocaine. Puisque la majorité des vidéos dedans, il y a Julia, il y a la femme marocaine. Bon, jusqu'à ce qu'ils arrangent les problèmes, peut-être, ou bien il a seulement dit, ah, descends, je ne manque pas d'argent et tout est consort. Bon, pour vrai vous parler, la famille Josie News, cette histoire, c'est vraiment, ça ne les fait rien, en tout cas, parce que Regina Daniel a tellement d'argent, son mari a tellement d'argent, eux tous, ils ont d'argent, et peut-être la chaîne YouTube, là, ça ne leur dit rien. Mais pour vous dire quelque chose, franchement, moi j'aime être souvent direct dans mes vidéos. Si Regina Daniel, si elle continue comme ça là, et que l'homme ne fait que dire que descends ceci, tu ne tournes plus les films, je vais te voir puis avec. Oui, hier, yeah, je vais vous expliquer, si je vais mettre la vidéo qu'on les a vus ensemble avec Somadina, et je peux vous dire qu'ils se sont croisés alors. On dit que c'était un lieu de quoi, qu'il y avait une petite fête là, des rencontres et tout, avec certaines personnes quoi. Et vous savez aussi que c'était le Bibi Naija venait de finir, je sais pas si vous connaissez ce game. Ça venait aussi de finir dans le dehors, le Nigeria aussi, ça boumait. Et hier était l'indépendance, la fête d'indépendance des Nigériens. Donc, je me dis que peut-être qu'ils se sont croisés quelque part. C'est alors où Regina Daniel a dit à Somadina que, voilà, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Et en faisant comme ça, Somadina prenait alors la vidéo. Voilà la vidéo, vous pouvez vous-même voir, ils se sont croisés hier. Mais je ne pense pas que ça peut être un problème parce qu'elle n'est pas sortie de la maison qu'elle allait voir Somadina. C'est le croisement, donc je ne pense même pas que son mari peut même parler concernant ça. Mais s'il parle, je serai toujours ici en tant que Josie, en tant qu'une Miss Congo, ça, pour venir vous dire. Bon, si ça continue comme ça, la famille, je vois que peut-être mon mari va dire à Regina Daniel, je ne veux plus te voir te filmer comme ça, je ne veux plus te voir montrer, parce que Regina Daniel nous a déjà habitué que tous les jours, ou bien peut-être deux fois par semaine, ou trois fois, je dis même deux fois par semaine, souvent elle met les photos même tous les jours, souvent elle met les photos même quatre fois, cinq fois par semaine. Elle nous a déjà habitués comme ça. Et nous sommes déjà habitués qu'elle nous serve le plat de plantain aujourd'hui, demain le haricot, demain le riz sauté. Donc, nous sommes déjà habitués comme ça. Et si un grand matin, le monsieur se lève, alors il dit, ah, Regina, je ne veux plus te voir te filmer. Je ne veux plus te voir faire ceci. Maman, elle serait où? Donc, vous voyez que au fur et à mesure que les jours passent, le monsieur dit, je ne veux plus ceci. Elle fait. Je ne veux plus ceci. Elle fait. Maman, c'est l'argent. Petite Regina, s'il te plaît, ma chérie, nous t'aimons. Moi, Josie News, qui parle ici, là. Je suis ton number one fan depuis les années de 1900. Ouais. Mais c'est affaire Congo. Ça, nous allons faire comment? Nous sommes les blogueuses. On partage comme ça vient, ma chérie. C'est comme ça là avec nous. Donc, chérie, tu dois seulement être prudent et respecter ceux qui étaient là avant toi. Tu dois aimer ta belle famille. Tu dois aimer ta coépouse. Tu dois aimer tes belles filles et tes belles fils là. Tu dois les aimer et tu dois faire la paix avec eux. Je sais que c'est pas facile, oui. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, si c'est Léa qui cherche les problèmes, si c'est Gilles qui cherche les problèmes. Non, quand c'est comme ça, là, tu connais comment jouer avec eux, non. Tu connais comment mettre tes pas. Pas que tous les jours, sur les réseaux sociaux, on va dire que Regina Daniel a fait que, Regina Daniel a fait que, Regina Daniel a fait que. Non, Regina Daniel l'a rendu star. Lui, au retour, il l'a rendu comment? Billionnaire. C'est comme ça, la cash, bang! Donc, j'ai fini avec cette vidéo, maman. J'ai déjà fini l'essentiel. Donc, la chaîne de Regina Daniel YouTube n'est plus fonctionnable. Allez chercher. Donc, vraiment, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et à nous revoir à la prochaine vidéo. Je vous aime.